Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Decade Challenge où notre petit couple d'amoureux dort paisiblement de leur dure journée de dur labeur à Newcrest en 1880. La maison est petite, la maison est toute en bois et puis le jardin commence à prendre forme petit à petit. Jardin qui va être le fruit de notre fortune, n'est-ce pas? Il faut le savoir. Alors après, je tiens peut-être à m'excuser pour ceux qui ont suivi peut-être mes différents let's play, parce que c'est vrai que le jardinage, je l'ai fait un peu souvent. Je l'ai fait pour le Bad Challenge, je l'ai fait pour le Sans-Abri Challenge, et là je le refais pour le Decade Challenge. Mais en même temps, le Decade Challenge, j'ai pas trop le choix, je peux pas leur faire faire une profession, un machin comme ça. Donc, à l'époque, les mecs, ils travaillaient à la ferme, ils faisaient du bâtiment, enfin voilà, et ils pouvaient pas faire grand chose, quoi. Et là, je veux peut-être éviter de faire du pognon tout à base d'étoiles, en fait. Vous savez, faire les peintures. Je vais peut-être lancer Joséphine dedans, mais je suis pas sûre. Alors. Oui, mais j'avais dit que je voulais pas. En fait, il va quand même sonner. Tant pis. Bon, on ignorera tout ce qui se trimballe avec le téléphone portable. Ce n'est pas la période propice. Bon, alors, Pierre-Nard est toujours beaucoup trop matinal. Mec, tu vas te faire une beauté. Joséphine, il faut qu'elle soit au taquet. Bah, tu vas préparer le petit déjeuner. Une petite salade de fruits. Oui, bah vas-y, hein, mets-toi au boulot. Faut pas que ton mari l'attende trop longtemps avant de manger, quand même. Ouais, et pendant que tu vas aller refertiliser un peu le... Faire pipi. Il aime bien mettre son chapeau, hein. Il aime beaucoup mettre son chapeau. Après, tu te relaveras les mains. Alors, qui c'est qui veut de la pastèque? Des pommes. Et il y aura quoi d'autre? Je suis pas suivi. Il y a pastèque pomme. Tout un gloubi-boulga de fruits, quoi. C'est calme, quand même, l'ambiance. Voilà. Il se relave un coup les mains. Après, mon petit, tu pourras t'asseoir. Comme un vrai chef de famille qui attend que sa femme lui serve le repas. Voilà, elle est contente, elle a fait un repas. Appelez à table, vas-y. Bon. Ça y est. Oh, au cas où tu l'as pas vu, tu peux aller te servir, chérie. Et il la regarde, il fait, non mais tu te fous de moi? C'est à toi de me la rapporter. Non mais oh. Espèce de gourgandine. Vas-y, va proposer un plan fou. Va faire des grimaces, qu'on rigole aussi. Moi, je les trouve mignons. Elle est magnifique. Et avec sa super moustache, attention hein. C'était la moque de l'époque. La moque. N'importe quoi. La mode de l'époque. En tout cas, ça les divertit. Donc, pas besoin de faire crac-crac tout le temps, hein. S'il raconte des blagues, tout ça, enfin, une blague sur les pingouins, allez. Et elle aussi, tu vas faire des grimaces aussi. Oh la vache, le rire. C'est nul. Ça me fait rire le coup des grimaces, c'est bête, mais il m'en faut pas grand chose, mais c'est pas mal. Bon, alors toi, après, tu finis de manger quand même, tu te laveras les mains de nouveau, et puis tu vas... Non, tu vas faire le jardin. Tu vas tout arroser le jardin. C'est déjà pas mal. Et pendant que j'y pense, je suis en train d'y penser là. On va aller dans l'inventaire de la du foyer. Et nous avons des tabourets de bar. Ah oui, d'accord.
Ah ouais, mais c'est des tabourets de bar un peu trop modernes quand même là. Ah, il est vachement beau, hein. Ah, par contre, je peux. Ah, c'est dommage. Ben oui, c'est dommage parce que je peux pas l'utiliser. Comment on fait? Ben oui. Ah, ouh là là, je sais plus. Hop. Et celui-là, eh ben celui-là, on va le garder. Parce que lui, il est fait en bois. Il est qualité médiocre, peut-être, mais. Voilà, il colle parfaitement à notre maison. Et puis ça fait une décoration. Plus ou moins. Ah bah non, bah. Ah oui. Non, tabouret de bar, ça marche pas avec la table. C'est dommage. Mais on va lui faire travailler autre chose et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Ça, toi, t'es occupé. Voilà, c'est parfait. Elle lui fait des bisous et tout. Aïe, 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 aïe. Tu vas ranger la salle de... Ah, il fait la vaisselle! Non! Oh. Ah non, il se lavait les mains, pardon. J'ai une crise cardiaque, moi. Je vous jure, hein, les Sims... Finalement, ils sont propres, ils sont sympas, ils aident la condition de la femme, mais dans ce challenge, non. Vas-y, tu laisses ton plat, voilà, et tu te barres. Elle, voilà, elle le fait elle-même, elle nettoie. Tu vas nettoyer ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ranger? Non. Tu vas donc aller faire ton petit pipi. Et ensuite, tu pourras te... Laver les mains, laver les dents, laver les mains, laver les dents. Avec la petite Jeanne Robert qui passe. Hop là. Oh, pardon. Il y a un petit pipi qui se fait entendre dans les buissons. Alors, le jardin, il est pas mal. Et après avoir fait le jardin, mon gars, tu pourras fabriquer un meuble, toujours un tabouret. Bah écoute, oui, parce que tu es plutôt pas mal. Ah oui, après sculpture de lapin, de dragon, de cheval, d'éléphant. Eh bah tu vas nous faire tout. Non, bah attends, tu vas... De lapin, de dragon. D'éléphant. Et le cheval. J'espère que tu nous feras des œuvres d'art, on le mettra en exposition dans notre maison. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu es heureux? Le truc il est dégueu! Bah écoute, c'est à toi de nettoyer, meuf, hein. Si t'es crade à ce point, bah, de nettoyer, de faire un truc aussi dégueulasse. Franchement. Faut que ça brille, hein. Attention. Voilà, elle est contente à la nettoyer. Il n'y a pas besoin de nettoyer. Non, je sais pas ce que je voulais faire. Très bien. Tu pourras te laver les mains. Et puis, ben, on va refaire un tour dans le quartier, peut-être. Hein. On va pas abandonner ici. Hein. Il y a peut-être des trucs à creuser encore. Pour faire toujours un peu plus de pognon. Eh oui, pognon, pognon, pognon. Tiens, hop, meuflier, lisse et compagnie. Alors, Pierre Nard est très très fier. Hein, il a fait une sculpture de dragon à 20 simflouz quand même. Lapin aussi. Et pardon. Et éléphant aussi à 20 simflouz. Eh ben franchement, ça va, il gère. Ça, on va les garder parce que il y a moyen qu'ils fassent des améliorations dans les choses, dans les choses futures de la maison, peut-être. Donc ça pourrait être bien. Donc Joséphine, elle est encore en train de récupérer pas mal de choses dans le quartier. C'est très très bien. Voilà, il n'avait pas arrosé les deux plants de fraises de fraisier, donc. Oui, ben oui, je sais, j'ai vu, t'as tout arrosé, c'est bien, Pierre Nard.
tu peux du coup refaire une sculpture. Est-ce que tu peux faire les blocs de couteau? Et après, tu vas. Ah, guéridon! On va investir un peu. Tu vas faire un guéridon. J'espère que si on double la mise comme on l'a fait pour les autres sculptures, ça peut être hyper intéressant. C'est-à-dire gagner 104 simflouz, jeu vidéo, la vache. 104 simflouz par guéridon, ça peut être pas mal. Et puis ça nous fera de la déco! Et ça, c'est cool! Bon, ça y est. Le bloc de couteau était fait. Maintenant, Pierre-Nard commence le guéridon. Bloc de couteau, 20 simflouz, effectivement. Donc, on est en train de. Là, il a. C'était 5 de base, 20. Je suis nulle en maths. Ça a quadruplé la mise. Oh! Finaise! T'es en compétence combien là? 4. Non, c'est pas gigantesque, hein, mais. Elle aussi, jeu vidéo. Oh non, 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 dis donc là, mademoiselle. Vous n'avez pas le droit de vous distraire comme ça, je vous ferai dire. D'ailleurs, tu vas sortir. Non, non, tu vas sortir le plat, un plat, là, voilà. Tu peux lire en attendant, t'as raison. Mais. Oh, punaise, tout ce qu'elle a récolté, c'est fou. Mais après, il faudrait que tu manges avec ton mari. Des jacinthes, est-ce que ça coûte? Les mufliers, ça coûte un chouï plus. Quartz rose, 20, saphir. Comme ça, hop. Je vends. Ça, je vends aussi. Ça va, l'orange. Mais qu'elle est bien, cette petite. Lui, il a presque fini. Excusez-moi, je renifle. C'est à cause de tout à l'heure, vu que j'ai éternué, forcément. Elle changeait juste de livre. D'accord. C'est là le plat. On a encore le temps. Elle, on va dire qu'elle l'a préparé, qu'elle le réchauffe pour que son mari puisse venir manger avec elle. C'est normal. Ouais, il est 15h quand même. Il se lève tôt, mais ils vivent un peu à la bourre. Hein. Pierre-Nard, tu me dis quand t'as fini ton guéridon. J'espère qu'il sera cool. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le ranger? Ça y est, l'objet en bois. Allez, tu vas appeler à table. Ça, vous allez pouvoir manger ensemble. Du coup, le bloc de couteau, est-ce qu'on le garde? Oh, il se met là-dessus. C'est trop drôle. Après, on n'a pas beaucoup de place sur le. S'ils arrivent à faire à manger là-dessus, c'est tant mieux, parce que comme il y a déjà une lampe. Ah, je vais mettre ça comme ça, peut-être. Eh ben, on a de la déco, hein, qu'est-ce que vous voulez? Admirez, admirez vos biens. Ah oui! Eh, il s'est assis sur son guéridon! C'est trop cool! C'est pas son guéridon, son tabouret! Ah, c'est trop bien! Ah, je suis contente. Bon, alors, du coup, on va exposer ses œuvres. On va mettre le dragon. Voilà. On va mettre l'éléphant. On va mettre le lapin. Et on va mettre le cheval. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour le cheval. Qu'est-ce que... Ah, sur la cheminée! Si, si, sur la cheminée, il va avoir de la place. Oui! Ah, bah, attendez, je vais les mettre là. Oula, viens ici, toi. Non, 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 mais moi je. Ah! Bon, bah, tu vas rester là-dessus. Tant pis. On peut pas tout mettre sur la cheminée. Donc, le lapin et le dragon. C'est ça, c'est tout à fait. Bien, tu vas pouvoir admirer ton nouveau bien. Vas-y, admire. Ah non, c'est pas ton nouveau bien, c'est admirer les œuvres d'art, ce qu'il est amateur d'art. C'est trop sympa, regardez! Il était sur son truc. C'est trop mignon. Alors, attendez, est-ce que je ne perde pas le fil? Toi, du coup, tu vas ranger le plat. Tu es en bon état, ça fait plaisir. Tu vas révéler un secret bien enfoui. Bon, écoute, conversation profonde. Et un baiser suave. Oh, une assiette qui traîne. Va falloir la ranger après. Et puis alors, vous savez, ils ont toujours pas consommé leur mariage quand même. À la fin, je dis juste ça comme ça. Pour l'instant, j'ai réussi à éviter la distraction avec le crac-crac. Qu'est-ce que c'est ça? Faire crac-crac dans le buisson. Juste quand je parle de crac-crac. Ah bah lui aussi, hein. Faire crac-crac dans le buisson. Enlacer Joséphine. Bah tu vas l'enlacer, ta femme. Ah, les relations sont au max, donc c'est cool. Tu vas faire aussi un baiser suave. Et tu vas l'enlacer.
Oh, c'est trop beau! Oh là là, c'est trop mignon. Voilà. Bon, alors après, tu vas faire une grimace. Hein, c'est rigolo, les grimaces. T'as mangé. Voilà. Tu vas faire pipi comme un champion. Tu vas venir te laver les mains et te laver les dents. Donc lui, il est parti. Donc il va faire ça. On est très bien. Divertissement. Il est pas au top. Mais tu vas lire un peu un truc du coup. Hein. Tu vas te... Oh, ils sont enjôleurs les deux là. Toi, t'es en train de lire. Est-ce que la maison est propre? Oui, ça va. Tu vas les fertiliser, oui. Voilà. Après, tu reviendras, tu te laveras les mains et tu te laveras les dents aussi. Non, ils sont bien là, ils sont en bon état hein, quand même. Voilà. Toi, tu vas lire un petit peu parce que tu as besoin de te divertir. Puis après, il faudra que tu me fabriques. Ah, j'ai pas été voir le guéridon. Je vais aller voir ça tout de suite. Waouh, 105 simflouzes. Eh, franchement, là. Par contre, on peut pas choisir la couleur, hein, c'est ça le délire. C'est un peu chiant parce que le bois, il casse un peu avec, avec le reste. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. On va le mettre là comme ça, tout près de la cheminée. Oh, mais on va faire de la décoration grâce à Pierre Nard. Hein. Oh, la maison, elle va être meublée. Hein. Attention, il va nous faire tous les meubles. Bon, maintenant, tout ce qu'il fait, on va vendre. Hein, parce que voilà, on a fait les sculptures et tout. C'est rigolo, 5 minutes. Mais bon, maintenant, il faut qu'on ait du pognon. Ah, il s'est encore pris un coup dans la tronche, Pierre Nard. Et Joséphine, je lui ai demandé du coup de planter quelques jacinthes. Comme ça nous fait une petite pyramide, c'est mignon. Bon, bref, il m'en faut peu, moi. Et bah du coup, ah oui, tes grenouilles. Là, t'as 10, 35 et 100. 10, on la vire. On va croiser les deux autres. Oh, 160 simflouzes! Alors, on va virer ça à la 35, hein. Oh la vache! C'est possible ça, une grenouille à 160? Fleur tourbillon. Ah oui, d'accord. Ouf. Bon, et on va vendre le reste. Voilà. On va vendre tout ça. Il s'est encore pris un coup là-bas, mais c'est pas possible. Hop, le mufflier. Et les jacinthes. Allez, vas-y, arrose un petit peu, parce qu'il faut que tu gagnes des points de jardinage. Et on a dépassé les 1000 simflouzes, donc ça c'est cool. Ça, c'est bien, c'est que ça va commencer à prendre forme en pas beaucoup de temps. Au niveau besoin, elle est bien, lui il est bien aussi. Donc c'est plutôt positif. Est-ce que toi t'as quoi? En jardinage t'as 2 points, cuisine t'as 2 points. Très bien. Bon, comme t'as jardiné, tu peux aller te laver les mains. Et te relaver les dents. Ah non, mais moi, l'hygiène, elle est très importante dans les Sims. Avec les deux buissons qui puent avec les mouches et tout. C'est écologique. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les buissons, parce qu'au moins, ils font pipi. Dans les endroits à peu près appropriés qui ne sont pas dangereux. Oui, c'est recyclable, c'est renouvelable tout ça. Ah, l'objet en bois est terminé. C'est parfait. Vas-y, Pierre Nard, viens ici. Elle aussi, voilà, ils vont discuter. Dis donc, tu pourrais ranger les livres, hein. Ça va pas du tout cette histoire, hein. T'es pas une bonne femme de foyer, de ménage, j'allais dire. Mais bon, c'est pas une femme de ménage, hein. Un baiser suave, allez, vas-y. Envoyez un baiser. C'est tellement beau quand ils font ça. En plus, ils ont carrément les habits qui font tout le truc, quoi. Bon, voilà, ils sont tout amoureux. Alors, il est toujours à 105 simflouz et nous allons le vendre. Voilà.
Nous arrivons donc déjà bien comme il faut à plus de 1000 simflouz. C'est plutôt pas mal. Lui, il est juste fatigué et elle aussi. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Là, bah, elle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Hey, elle peut lire... Acheter les oies sur les vampires. Non, mais... Ah, c'est que des trucs, il n'y a pas, vous savez, les livres pour apprendre la cuisine, pour apprendre ci, pour apprendre ça. Il n'y a pas. Bah écoute, tu vas lire la première licorne. Et Pierre-Nard, tu vas nous faire une petite sculpture de lapin et une sculpture de cheval. Parce que comme ça, ce sera pour vendre aux gens du quartier qui vont nous racheter nos sculptures. Ça pourrait être pas mal. Oh, c'est pas mal. Vas-y, Pierre-Nard. Montre-nous ce que tu sais faire. Si tu pouvais te mettre un coup dans l'œil, ça pourrait être rigolo aussi. Hein? Ça, on te verrait en gros plan. Ouais, je peux pas le provoquer, c'est ça qui est dommage. Allez. Non, alors... Pas pour cet objet-là. Le lapin, il vaut toujours 20 simflouz. Et ben, on va le vendre tout de suite. Ouais, on le vend. What? Non. Et on va vendre ça aussi. C'est pas très grave. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit lui qui les vende. J'ai tout vendu ce qu'elle avait dans son inventaire à Joséphine, mais il faut que je lui donne à lui. D'ailleurs, les pièces de réparation, on va lui donner à lui, hein. Est-ce que tu peux pas encore reproduire? Bon, je suis en train de lire son truc. Ok. Et dépêche-toi. Voilà, ton objet il est fini. C'est bien. Alors, attends, avant que tu fasses... Ah, elle est partie coucher cette connasse. Dis donc! T'as toujours... Tu ranges pas tes affaires! Espèce de... Tu vas ranger le bouquin. Pierre-Nard, il rentre chez lui. Il a besoin de se divertir, donc tu vas le divertir. Et là, vous dites... Oh, elle va faire crac-crac! Non. Ça va être... des grimaces. Ça va être une histoire incroyable. Et ça va être une grimace. Parce que moi, j'aime bien les grimaces. Voilà. Et mince, j'ai zappé, drôle, une histoire drôle, et puis ce sera pas mal. Après, il fera un bisou, se vanter de ses biens. Tu feras un bisou. Ça me fait tellement rire quand ils font ça, c'est débile. Et puis après, t'iras te coucher, presque minuit. Au moins, comme ça, tu te dormiras pas, tu te réveilleras pas trop tôt le lendemain matin. Et toi aussi. Ah, t'attends qu'il te fasse un bisou quand même, hein, parce qu'il faut pas déconner. Fais voir. Oh, 40 simflouz! Oh my god! Dites-vous que les. Après les sculptures de tabouret et compagnie, elles vont valoir de la thune de folie après. Hein. Allez, hop! Au dodo, mes gens, vous serez encore chaste ce soir. Je n'ai pas besoin de vous remonter votre divertissement. Enfin, lui un peu plus, mais ça ira. Allez, zou, au lit. Allez, zou, voilà. Bonne nuit, les petits. Et moi, je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode du Decade Challenge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire... bah, tout ce que vous voulez, les petites remarques, tout ça, si ça vous plaît, si vous avez des idées aussi. Et puis voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour la suite du challenge. Allez, salut !